Pour créer un compte sur la messagerie Telegram, il vous suffit dans un premier temps de vous rendre sur l'App Store si vous avez un iPhone, si vous êtes comme moi sur Android, d'aller sur le Play Store et dans la recherche de taper Telegram. Vous le sélectionnez et vous appuyez sur Installer. Et après le téléchargement et l'installation de l'application sur votre smartphone, lorsque vous l'ouvrez, elle va vous proposer de créer directement un compte sur la plateforme. Si vous souhaitez poursuivre la création de ce compte en français, vous avez la possibilité de continuer en français. Pour cela, vous avez juste à relancer l'application par la suite. Et de là, vous appuyez sur Commencer. Vous rentrez le numéro de votre téléphone et vous confirmez avec cette icône. De là, l'application vous informe qu'elle a besoin de votre autorisation pour accéder à vos SMS pour la validation de ce compte. Vous confirmez cette autorisation et après quelques instants, vous recevrez un SMS qui sera traité directement par l'application. De là, votre compte sera validé. Il vous suffira de rentrer votre nom, de confirmer et d'accepter par la suite les conditions de service de la plateforme. Et enfin, vous allez pouvoir utiliser la messagerie avec l'application. Dans un premier temps, Telegram vous demande d'accéder à vos contacts si vous souhaitez les ajouter directement dans votre messagerie. Dans un premier temps, vous pouvez refuser et les ajouter un petit peu plus tard. Pour le partage de contenu, Telegram vous demande également l'autorisation d'accéder à vos médias sur votre téléphone. Et de là, vous allez pouvoir utiliser la messagerie en créant un nouveau message ou bien de paramétrer l'application.